Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, on va faire un beau bricolage. Pour le bricolage, on a besoin d'une feuille brune, un moule à muffin en papier, de la colle, un crayon noir, ça peut être un crayon noir, un crayon feutre, un crayon Sharpie. Des ciseaux. Et dans le fond, pour décorer, on va avoir besoin. Moi, j'ai décidé de prendre des petits bonbons qu'on met sur les gâteaux ou sur la crème glacée. Mais vous pouvez prendre d'autres choses. Vous pouvez prendre des brillants, vous pouvez prendre découper des formes dans le carton pour décorer. Alors, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un bricolage d'un cornet de crème glacée. Alors, pour commencer, on va dessiner le cornet de crème glacée sur la feuille brune. Par la suite, on prend la feuille brune, on vient découper le cornet de crème glacée. On découpe le cornet. Moi, j'ai décidé de faire un cornet en triangle. Mais vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est votre imagination. Enfin, une fois découpé, on a le petit cornet ici. Là, on peut tracer, on peut faire des lignes sur notre cornet. On essaie d'imiter le plus possible un vrai cornet de crème glacée. Alors, on fait des lignes comme ça. Et voilà. Alors, on le fait tout le long du cornet. Par la suite, on prend le bâton de colle, comme ça. On vient coller, on vient mettre de la colle sur le cornet, qui est brun. On prend notre moule à muffin, dans le fond, on l'ouvre le plus possible. On vient le déposer ici sur notre cornet, comme ça. Par la suite, on peut mettre de la colle dans le cornet, comme qu'on veut. On peut en mettre beaucoup, on peut en mettre juste un petit peu. C'est à notre choix. Puis, bien sûr, le moule à gâteau, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, si vous voulez avoir de la couleur ou pas. On prend un petit peu des bonbons. Je vais prendre un petit peu de bonbons au chocolat, comme ça. Et voilà. Donc là, on le dépose sur le moule à muffin. Dans le fond, on le dépose comme si ce serait sur un vrai cornet qu'on mettrait. Et voilà. On ferme. On est encore déposé. On peut promener. On fait ça comme ça. Ensuite, on vient prendre l'autre, qui est des petits bonbons, des petites boules de bonbons. Encore une fois, on vient déposer comme sur un vrai cornet de crème glacée quand on fait à la maison. On le promène. Et voilà, comme ça. Alors, à la fin, ça nous donne un beau cornet. Comme ça. C'est un bricolage pour l'été. En attendant qu'on puisse aller à la crèmerie, aller s'acheter un vrai cornet. Bye bye les amis, à la semaine prochaine!